Bonjour, je suis Suzy Quimper, propriétaire de Suzy Quimper Traiteur à Rimouski. Suzy Quimper Traiteur, ça a commencé par le service de traiteur. Donc, depuis 10 ans maintenant, le service de traiteur est en fonction. Les baptêmes, les mariages, les fêtes de famille. Donc, ça a été ça au début. Puis ensuite, là, j'ai eu envie d'ouvrir un restaurant pour amener un plus, finalement. Donc, le restaurant depuis 5 ans maintenant. Puis, un portrateur, c'est vraiment plusieurs choses. Ça peut être le buffet froid avec les sandwichs, les salades, les desserts. Ça peut être aussi des petites bouchées, donc plusieurs petites bouchées, crevettes, pétanques, des petites choses un peu plus raffinées. Ça peut être aussi chef à domicile à la maison. Donc, on construit le menu ensemble à la maison. Ça peut être des buffets chauds, ça peut être un buffet en service libre, ça peut être un buffet service aux tables. Fait que c'est vraiment plein de choses au niveau du service de traiteur. Au niveau du restaurant, j'essaie d'avoir des choses un peu plus familiales. Donc, tu sais, la bonne soupe qui va goûter peut-être chez maman, les plats réconfortants, les produits frais, poissons frais, les pizzas fines, des belles salades avec des protéines dessus. Donc, j'essaie vraiment d'avoir quelque chose de frais. J'essaie d'y aller avec des produits qui existent déjà, mais en les transformant un peu. Fait que, par exemple, comme le saumon général Tao qu'on sert ici au restaurant, de changer les choses, pas réinventer la roue, mais des fois d'y aller avec un petit goût de plus, puis ou quelque chose de plus frais, ou changer moins de mayonnaise, moins de sauce, changer les recettes sans réinventer. Acheter local, bien oui, c'est important, c'est sûr de faire vivre nos commerçants locaux, mais aussi de connaître les gens qui viennent te parler de leurs produits, de leur passion, puis ça donne envie d'utiliser leurs produits, ça c'est certain. Là, c'est le fun de pouvoir communiquer avec le producteur puis le passionné. Qu'est-ce qui me motive, dans le fond, c'est que les clients sont contents, ils viennent. La personnalisation aussi, on connaît les clients par leur nom ici. Je me rappelle de ce qu'ils mettent dans leur café, ça c'est vraiment une plus-value que les gens aiment. C'est des fois peut-être ordinaire, mais les gens aiment ça. Les gens disent qu'ils ont l'impression de venir manger à la maison. Donc, tu sais, être servi par quelqu'un de sa famille. Fait que ça, je trouve ça important là, au niveau du restaurant, une personnalisation de la clientèle.